Les récréations, par exemple, c'est pareil? Des fois. Par exemple, moi, je m'en vais chercher un livre au CDI. Lui, il est dehors, en train de le chercher. Demain, on propose à l'une d'entre vous de faire un voyage, un beau voyage, mais il y a de la place que pour une personne. Bah, on accepte. Ah bon? Bah, si. Ouais. Bah, oui. Bah. Je vais bien être obligée, hein. Tu sembles surprise par sa réponse. Ouais. Moi aussi, il faut profiter des occasions. Hein. Comment pas? Tu partirais sans moi. Alors, je pense que vous auriez souhaité être dans des classes différentes. Ah non, non, non. La question qu'il fallait pas poser. Non, non, pas du tout. Vous m'expliquez? Ben, personnellement, moi, j'ai besoin d'être avec ma sœur. J'ai pour ce besoin d'être avec elle. Donc, être séparée... Ça, non. On a toujours été ensemble, toujours habillés pareil. C'est une habitude. Avant. Et maintenant, devoir séparer comme ça, non, c'est pas possible. Je dépends de ma sœur comme elle dépend de moi. Les récréations, par exemple, c'est pareil? Des fois. Par exemple, moi, je m'en vais chercher un livre au CDI. Lui, il est dehors, en train de le chercher. De chercher quoi? De chercher ton frère? Oui. T'es mal sans lui? Oui. Est-ce qu'il y a eu des périodes où votre maman, elle vous habillait de la même façon? Oui. Ouais? Alors explique-moi comment c'était, alors que vraiment... Bah, il y a les profs, ils ne reconnaissaient pas du tout, là. Il y a 5 ans, à peu près 5-6 ans, ma mère nous habillait tous les deux pareil, alors... Mais après, on s'est dit, il faut quand même pas... Bah, c'est parce que quand on est rentré au collège... On se moquait de nous, plutôt, ouais. Ouais, c'est ça. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit à ma mère, bon, c'est fini, maintenant, on change, c'est tout. Pour les autres? Ça a plutôt tendance à former un tout, peut-être. C'est-à-dire, bon, ben, il n'y a pas deux individus séparés, c'est un peu la même personne, quoi. On s'adresse à l'un comme on pourrait très bien s'adresser à l'autre. Ça, c'est peut-être un peu gênant. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens. J'aime bien être pris à part, quoi. Ceux qui veulent s'y retrouver, s'y retrouvent. Les autres, ils s'en foutent, donc s'y retrouvent pas. Il y a des profs qui vont même jusqu'à ne citer qu'un nom. Au lieu de faire l'appel pour deux noms, ils font l'appel pour un nom. Alors, des moments, je m'énerve, je dis, bon, ben, je sors, comme ça, il en restera plus qu'une, quoi. C'est énervant, c'est vrai. Là, à ce niveau-là, c'est stressant. Est-ce que vous avez les mêmes caractères? Non. Et plus doux, le mien. Plus doux. Explique-moi ça. Bah, par exemple, lui, il est vite en colère, je me mets vite en colère. Il est fort agressif. Avec moi, bon, va m'embêter, bon, je laisse passer, quoi. Tandis que lui, il se bat très bien. Bah, moi, je suis... Enfin, elle est plus... Enfin, moi, je crie tout le temps. Puis elle, non, enfin... Moi, ouais, j'essaie d'éviter. Crie. J'essaie d'éviter de crier. Crier, c'est-à-dire t'as mauvais caractère? Oui. De toute façon, c'est jamais disputé, c'est bien ça. Jamais disputé? Non, on s'est jamais fait la tête pendant une journée ou quoi. Non, on n'arrive pas, quoi. C'est plus fort que nous. Il faut que toutes les deux réussissent le bac à la fin de l'année. Bah oui, c'est ça le problème. C'est notre gros problème. Comme ici, il y a une différence, et on a peur justement qu'il y en ait une qui réussisse pas. En plus, que c'est moi qui ai la plus mauvaise moyenne, alors je dis pas, moi qui dépend encore de ma sœur. C'est dur. On s'est toujours dit, si jamais elle redouble sa terminale ou moi je redouble, et que l'autre a son bac, moi je redoublerai en même temps qu'elle. C'est-à-dire que je referai une année. Parce que je sais que psychologiquement, ce serait trop dur. De savoir que moi je fais autre chose, que je vis d'autres choses et... Parce que je sais de quoi elle a besoin et elle sait de quoi j'ai besoin pour continuer. Bah, je pense pas être influencé par son choix. Je veux dire, le choix c'est moi qui le fais. Bon, il choisit de préparer telle classe après le bac. Bon, moi c'est indépendant de ma volonté et mon choix se fera pas en fonction du sien, quoi. Il faut penser à l'avenir et puis on se dit comment on va réagir plus tard, quoi, c'est ça. Ça te pose question, ça? Ouais, des fois, ouais, j'y pense quand même. Et comment t'envisages les choses? Je gère bien. On sait pas vraiment. Peut-être qu'on montre notre petite entreprise à deux. Ça serait pas plus mal. Enfin, il faut encore avoir les fonds et tout, c'est pas évident. Mais ça te plairait bien comme projet, d'avoir un projet commun? Ouais, ça serait bien. Non, parce que de toute façon, on va pas se marier ensemble, alors.